Voilà, vous en suivez.
doucement, doucement. Bon, nous allons à la table des dons. Il y a beaucoup de dons qui attendent. Nous allons demander à la table d'envoyer leur émissaire pour prendre le micro. Merci à tous ceux qui ont encore et qui continuent de faire des dons. Merci de penser à la famille. Merci de soutenir la famille. Merci pour tout ce que vous apportez, quel que soit le montant. C'est le don qui est important. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse là où vous allez vivre. Mais c'est moi aussi ça là. Non, allô. Noël est pour là. Tina Louli. Oh, mon ami, oh, tu es. Pourquoi est-ce que tu es l'honorable? L'honorable. Mon ami, voilà, ma. Mon ami, c'est coco. Oh, non, oui. Oh, là. Oh, mon ami, mon ami, il y a Tina Louli, Moïse. Bari Antoine. Oh, tu es mort. Oh, là, ma. Là. Ma bagarakon gozoyif la gulegbu yo vie là Amélie gulegbu ne bomo vie là manya yom zese kosu ala di le feu di le feu oh na le guiasia françoise mo bre ni amre mo bre yom Zoko Olivier. Zoko Olivier. Deborah. La prophétesse est Deborah. Mourini à Wa. Okawie. Ogwao. Deborah est Kawie. Tais-toi. Poussière, tu retourneras. Alléluia. Et donc, quand quelqu'un meurt sur la terre, son corps qui est tiré de la poussière retourne dans la poussière. Mais dans ce corps réside une âme vivante. Cette âme ne meurt point. Alléluia. Bien-aimé, après la mort, la vie continue et c'est la vie de l'âme. Mais la Bible déclare que après cette mort-là, l'âme trône de Dieu, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Aujourd'hui, toute l'activité humaine passera en jugement. Et je vous dis ici que nous n'allons pas passer au tribunal du Seigneur. Nous savons que le jugement de Dieu était juste. Quand tu vis, il faut savoir qu'un beau jour, tu paraîtras devant le tribunal du Seigneur pour rendre compte. Réservé, c'est l'étang de feu. Et donc, pour échapper à ce jugement, il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. C'est ça. Tu peux croire l'évangile que nous annonçons, parce qu'aujourd'hui, la personne ne dira qu'il n'a pas entendu l'évangile de Jésus-Christ. Dans les médias, les radios, les télévisions. L'évangile et tu endurcis ton cœur. Si tu attends l'évangile et tu fais comme si Dieu n'existe pas, la Bible déclare que c'est pourquoi quand tu vis, il faut te préparer parce que non seulement tu ne resteras pas éternellement sur la terre, mais encore seul bien pavillon, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu donnes réellement ta vie au Seigneur, Jésus-Christ lui-même, il écrit ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Si je pouvais demander à déclarer à l'état civil, alléluia, c'est qu'il y a un acte d'extrait de naissance. Son nom est consigné dans un registre. De telle année à telle année, il a vécu, mais il ne vit plus.
et l'État, la nation ne compte plus cette personne-là sur le registre. Et dans ce livre de vie, il faut avoir fait la paix avec le Seigneur Jésus. Et c'est quand tu vis que tu dois chercher le Seigneur. C'est quand tu vis que tu dois te rappeler qu'il existe. C'est quand tu vis que... Hommage à toute la famille Zikogri, à toute la famille Gotayo et à toute la famille Doga. Cette coco, est-ce pas d'état? Car ton père et ta mère t'abandonnent, mais les ténèbres des armées te recueilleront. Djedje maman Simon, maman Agnès Djedje. C'est une bénédiction pour moi de t'avoir eu comme mère. Si aujourd'hui j'ai les yeux ouverts pour m'exprimer sur ce micro, je ne peux que te dire merci maman, car c'était pas toi que j'ai connu la lumière. Tu as décidé que ça soit de pas toi que je vienne dans ce monde. Je suis d'abord sorti avec des pleurs, plus du sang. Ensuite, tu m'as pris dans tes bras pour me nettoyer. Je ne saurais comment te dire merci, maman. Hey. Maman, t'as tout souffert, maman, va te reposer en paix. Maman, t'as tout souffert, maman, va te reposer en paix. Maman, t'as tout souffert, maman, va te reposer en paix. Maman, t'as tout souffert, maman, va te reposer en paix. Maman, t'as tout souffert, maman, va te reposer en paix. Maman, t'as tout souffert, maman, va te reposer en paix. Une fois devenu grand, tu n'as cessé de me communiquer tes valeurs. L'amour pour mon prochain, le partage, le pardon, mais surtout le respect et l'humilité. C'est la loi de la vie et l'humanité, naître et mourir un jour. J'aurais tellement voulu que tu restes près de moi éternellement. Mais dommage, car ce Dieu est éternel. Éternellement, tu vis désormais à sa droite, et en moi, ton amour est éternel, maman. Yeah.
Maman t'a trop souffert, maman va te reposer en paix. Maman t'a trop souffert, maman va te reposer en paix. Maman t'a trop souffert, maman va te reposer en paix. Master Deborah Coco. Le gars Severin Coco. KDS. Papa Désiré Coué. Ignace Gabo Seri. C'est la fin de Coco. Sandrine Coco. Toute la famille Coco. Sarah Mani Kone. Maman Toti depuis la cité verte. Mon père Deski Kwasi. Samy le Maraca. Force à tous ceux qui ont perdu une mère aussitôt que la mienne. Soyez fort. Maman Agnès Balé, je te parle de cette mère africaine capable de donner sa vie pour ses enfants. Mère, toute ta vie tu t'es consacrée à tes enfants que nous sommes. Merci, mon Dieu sur terre. Merci, servante dévouée de Dieu. Merci, servante de Bethany. Que ton âme repose en paix. Merci pour ma vie. Maman t'a trop souffert, maman va te reposer en paix. Maman t'a trop souffert, maman va te reposer en paix. Maman t'a trop souffert, maman va te reposer en paix. Hommage à toute la famille Zitobri. À toute la famille Gotayo. Et à toute la famille Doga. Amen. Ma mère, père à son âme, Balé Keke Agnès fut une femme de Dieu, une servante dévouée de Dieu. Et ceux qui sont proches de moi savent combien de fois ma mère était très attachée à moi. De sorte que même quand je suis sorti du pays, ma mère était troublée, elle se sentait seule dans ce village. Parce que tout petit, j'étais son garçon très obéissant, qui depuis l'âge de 4 ans l'attendait sur les collines pour garder ses oiseaux. C'est moi qui passais à 4 heures du matin déjà pour garder ma mère, les oiseaux de ma mère, les chants de ma mère et mon père, d'abord, avant qu'ils ne me trouvent. À 11 heures, dans les champs, et moi maintenant, je pouvais venir faire ce que je vais faire au village. Mais quand ma mère ne parlait, je ne pouvais pas parler. Quand mon père parlait, il me disait, lève-toi, même si c'est à 3 heures du matin, prends la route, va garder les oiseaux, je ne pouvais jamais refuser. Et c'est comme ça que tout le monde m'a connu ici, en tant qu'un enfant très attaché à sa mère. Cette maman, notre séparation a été très difficile. Pasteur Lionel le sait. Tous ceux qui m'ont trouvé à ses cheveux, en train de courir avec elle dans les hôpitaux, partout, de commencer à Guibéroua jusqu'à Bidjan. J'ai traîné avec elle partout pour que ma mère puisse guérir. Si j'étais Dieu, ma mère ne serait pas couchée là. Parce que j'étais même prêt. Si c'est moi qui devais mourir pour que ma mère reste. Elle m'a dit non. Ça va aller. Elle ne m'appelle pas de par mon nom. Quand elle dit Nabeyo, je dis Nabeyo. C'est comme ça on s'appelait. Jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, le corps a duré à la morgue. J'ai passé 8 mois de souffrance. 8 mois. Que je me demande, elle est où? Cette femme qui faisait ma lumière, elle est où? Je marche vite. Je me sens seul. Car c'était la seule pour qui j'avais la motivation de faire n'importe quoi. Quand les gens commençaient à voir que de par moi venait une lumière vers ma maman, ce qui est arrivé. Nous sommes dans un village. Je ne vais pas tout dire, mais je rends
grâce à Dieu qui a appelé ma mère auprès de lui pour qu'elle repose en paix. Parce que de là où elle est, elle repose en paix. Dans son dernier souffle, elle m'a dit, laissez-moi aller là où je veux aller parce que là-bas est bon par rapport à ici. J'ai dit, tu veux aller où? Elle dit, rejoindre mon mari, que je vois la lumière. Je sais de quoi je vous parle. Ne pleurez pas, soyez heureux. Je dis, tu nous laisses à qui? Elle dit, je vous laisse à Dieu. Je dis, ok, maman. Aujourd'hui, je suis satisfait du fait que ma maman va aller reposer en paix. Parce que je sais qu'elle n'est pas n'importe où. C'est pourquoi je vais lire ce verset de Proverbe 33 pour rendre hommage à ma maman qui est une femme vertueuse. Une femme qui a connu qu'un seul homme dans sa vie. Même quand son père, son mari est décédé, qui est mon père, elle a décidé de prendre personne que Dieu comme son mari. Excusez-moi un peu pour le temps. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vie. Elle sent de force. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigne. Elle ne crée pas la neige pour sa maison. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de valeur et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ça, c'est ma mère. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont été conduites vertueuses, ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la le fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. Amen. Ma mère n'a jamais mangé le fruit de la paresse. C'est la femme qui pouvait cultiver 2 hectares. Et tous ces 2 hectares vont sortir avec du produit que les gens vont se dire, mais comment elle fait pour avoir tout ça? Son fils aussi, à cause de lui, aucun oiseau ne bouffe sa nourriture. Dans sa lisière, il y a toujours
Ton grenier est toujours rempli, il y a toujours de quoi manger ses ailes. Tout le monde sait dans le village que personne ne pouvait avoir faim et passer ce palais Gaïté Agnès, la femme de Coco Boniface, et ne pas lui dire, mon fils, viens manger. Toi, tiens du riz, va préparer. Telle femme, viens, je vais te donner 2 padis de riz, tu vas aller préparer, tu vas manger. Même quand elle est en train de manger, elle finit de partager, c'est toujours le coup de riz, elle mange. Pendant qu'elle a mis une mammite de peut-être 150 kilos au feu. C'est une femme qui pensait aux autres. Je vais me limiter là, parce que j'ai beaucoup à dire, je ne pourrai pas finir la généalogie de ma mère. Je lui rends gloire à Dieu et je lui dis merci pour ma vie. Merci maman, je te serai reconnaissant toute ma vie. Repose en paix, parce que ce que je devais faire en tant qu'un enfant, je l'ai fait. Et de là où tu es, tu sais, je sais. Namé, on y sait, on y sait. Maman, la goyo, moi, je vais la nénée comme maman. Maman, on gré négri man. Naz, zéré yé. Aïe, on a qu'à la boule nénée. A boule, yé, yé. Yé, c'est, moi, la moudou. Pepe, na. Ma trinée, t'es mon nom, manier, beron, terre. Quoi que vous pourrez, vous avez encore. Aïe. Vibrant hommage à la mémoire de sa mère. Alléluia. Nous savons ce que cela fait, ce que ça peut représenter pour lui. Ici, c'est là l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir apaiser son cœur. Je pense qu'il est tout à fait normal que nous puissions lui laisser le temps, bien que le temps joue contre nous. Alors, je pense que sans transition aucune, nous allons passer, je crois, à la dernière étape. Voilà. Si on ne me fait pas signe du côté des parents, je vais inviter ici le révérend docteur Taïkwan Théophile et qui va prononcer le dernier mot et procéder à la prière. Et après quoi, je vais demander à tous les hommes qui sont là de bien vouloir, dès maintenant même, se lever et faire mouvement vers le... Cette et ses frères et sœurs et la famille, si vous pouvez aller voir pour une dernière fois. Si les enfants ne le souhaitent pas aussi, on ne va pas les forcer. Hein. C'est ceux qui vont prendre le corps qui sont là. Oui, oui. Attendez d'abord. Petit frère, je n'avais pas trouvé important de prendre la parole parce que dans le message de sa chanson, il a tout dit et également dans la lecture de la parole de Dieu, et il a également tout dit sur le comportement de ma mère. Donc je ne pouvais pas encore prendre la parole, mais bon, les autorités chrétiennes présentes ont souhaité que je dise un mot. Donc ce que je pourrais dire en 1 minute 30 secondes, parce que l'autorité envoyée par le président national a aussi des obligations. Et donc mon souhait également, c'est de pouvoir le satisfaire, même si il est venu spécialement pour nous, mais d'autres personnes ont besoin de lui ailleurs aussi. Alors je voudrais commencer par remercier mon village qui m'a vu naître, et ce village dans lequel et à travers lequel Dieu m'a permis d'exister et d'avoir un minimum de répondants dans ma personne et ma personnalité. Je voudrais remercier le chef du village
le chef de Bopi Edouard de Guetewa, Ondiayo Zakowa, Tokriri, c'est ce que je peux dire, pour tout ce qu'ils m'ont apporté dans les préparatifs des funérailles de leur fille, leur petite sœur, mère et amie. Ici, vous savez, comme on l'a dit, ma mère, elle est chrétienne, tout Guibérois le sait. Elle a plusieurs diplômes en tant que servante de Bethany. C'est parce que, bon, tout est là, mais avec le programme du révérend, on ne va pas déballer tout ça. Donc, on avait voulu même présenter tout ça. Mais on n'a plus besoin de la présenter, on la connaît tous pour ça. Donc, je voudrais remercier l'Église nationale, donc l'UESO, et son président central, qui nous a envoyé le révérend. Je voudrais remercier l'église des Allégrois, le pasteur Koba Charles, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour rendre ce funérailles digne d'une femme chrétienne. Je m'excuse auprès de toutes les personnes ou personnalités régionales ou de ce village qui se sont peut-être sentis lésés ou frustrés par la position que nous avons prise pour enterrer notre mère comme elle l'a toujours souhaité. Sachez que c'est sa volonté et je ne pourrais aller contre sa volonté. Quel que soit ce qu'on me demanderait, même la tradition me demanderait, je ne le ferai jamais puisque ma mère est la suprême dans ma vie. Voilà la raison pour laquelle j'ai donné le OK pour que ces funérailles se déroulent comme ça a été. Voilà. Une personne qui meurt, avant de partir, tout ce qu'elle te dit, c'est ce que tu fais. Le reste, elle te regarde. Voilà pourquoi les funérailles de ma mère se sont déroulées de façon chrétienne pour qu'elle aille en paix, comme l'a dit mon petit frère. Sur ce, je vais laisser la parole au révérend et toute son équipe afin de vous permettre d'aller vers l'église qu'elle a bien voulu offrir à l'UESO des Guibérois et particulièrement à l'UESO des Allégrois et des Criri que nous sommes forcés à au moins mettre la toiture pour que le corps de notre mère puisse aller se prosterner là avant d'aller à sa dernière demeure. Donc c'est tout ce que je pouvais dire. Merci. Merci beaucoup. Que les parents approchent, ceux qui veulent regarder pour une dernière fois. On prend pas tout le monde, hein, s'il vous plaît. On prend pas tout le monde, les parents rapidement, on prend pas tout le monde. Bon. Vous allez rendre ici, vous qui voulez. Voilà. On va prendre ce bon sens.
demande la famille seulement. Ok, merci beaucoup. Maman Guizier, déjà le champ avec les semences de famille. D'accord. On va commencer à lever les pousses. Je vais commettre ça, promettre. Moi j'ai toute la famille Zikobri. Avant d'aller remettre à la poussière ou à la terre, nous voulons remercier le Seigneur pour l'œuvre qu'elle a voulu faire et qu'elle a faite de son enfant avant d'accompagner le corps. Pour que ça soit un témoignage pour ceux aussi qui sont dans la maison du Seigneur, pour qu'ils soient aussi touchés à pouvoir faire aussi l'œuvre ainsi. Je disais hier à cette et à son frère, votre maman a commencé, c'est à vous de terminer. David a dit, je vais construire le temple, n'est-ce pas? Vous connaissez toute l'histoire. Et Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas construire, c'est ton fils Salomon qui va construire. Effectivement, Salomon a bâti le temple. C'est une bénédiction que votre mère vous laisse. Et c'est pour cela que j'ai accepté qu'on puisse venir ici. Pour que vous, même encore, ça vous attire. Et que demain, vous puissiez m'appeler pour dire à président Taïban, viens, on va inaugurer le temple que notre mère a laissé. Je crois que si vous le portez à cœur, et votre soeur Déborah aime à temps, la nouvelle technologie aujourd'hui va faciliter les choses. Donc tout ce qu'on entend de faire, elle le suit, elle est au courant. Et je crois qu'elle aussi sera fière de terminer l'œuvre
avec vous de terminer l'œuvre que votre mère et votre père ont commencé. Que à cause de ce travail, à cause de la maison de Dieu qui a été construite, que la bénédiction du Seigneur soit sur vous les enfants, soit sur vos enfants de génération en génération. Parce que quand on fait pour le Seigneur, la bénédiction nous accompagne. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci encore pour maman Coco. Elle est un exemple. L'exemple d'une pionnière. Une pionnière qui avait le désir de voir un grand temple dans ce village. Rempli de beaucoup de niveaux. Mais elle a fini ce qu'elle devait faire. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Maintenant que ses enfants sont restés, l'amour qu'elle a eu pour bâtir ton temple, mets cet amour dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de l'église, pour que la main dans la main, et tous puissent, Seigneur, terminer ce temple. Mets les carreaux, mets les vitres, les portes. Et pourquoi pas même climatiser ce temple dans ce village. Pour que Seigneur, pardonne toi pour nous. Bénis les enfants de maman. Bénis les enfants. Bénis-les de génération en génération. Merci Seigneur de ce que ta servante, dans le témoignage que nous avons entendu tout à l'heure, de son fils et même de pasteur Lionel, elle est auprès de toi en train de se réjouir. Parce que tu lui as montré où elle partait et c'est heureux. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié. Maintenant nous avons le devoir, comme tu nous as demandé, de remettre à la terre ce qui appartient à la terre. Parce que toi tu as récupéré déjà l'essentiel. Que ton nom soit glorifié. Et que ta bénédiction soit sur la famille Coco. Et à travers, Seigneur, ce travail, ta bénédiction soit sur l'église des grands IA, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Servant de Béthanie, maman, c'est guéri. Nous pouvons maintenant. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Dernier cantique. Donc, j'aime, mais le fleuve est terminé. Voici pour toi le paix de la journée. Tu seras le temps, l'heure est enfin sonnée. Adieu, maman, adieu. Si nous t'aimons.
t'aime davantage. Il t'a conduit dans ton pèlerinage. Il te soutient dans le sombre passage. Adieu, Agnès, adieu. Sublime espoir, Jésus qui va paraître pour saluer le retour de ton âge. Ton père bientôt glorieux va renaître. Adieu, Agnès, adieu. Pour saluer le retour de ton maître, ton corps bientôt glorieux va renaître. Adieu, maman, adieu. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons lire un texte. Dans Genèse, Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse. Chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines pour avoir le souffle de vie. Quand le temps de retourner à cette terre arrive, c'est ce souffle-là que Dieu enlève. Donc l'âme est auprès de Dieu. Et nous, notre devoir, c'est de remettre à la terre ce qui lui appartient. Que le Seigneur, notre Dieu, qui a permis à sa servante de pouvoir le connaître, et de marcher avec lui, de le servir. Que son nom soit glorifié. Amen. Et qu'un jour, nous puissions la retrouver auprès du Seigneur pour nous réjouir avec elle. Amen. C'est sur ces mots que nous allons prononcer la dernière prière. Priez encore pour les enfants, priez pour tous ceux qui vont retourner, priez pour que tout se fasse bien. Je vais demander au président régional de prier et puis je vais donner l'ordre de l'enterrement. Il est là? Nous prions le Seigneur. Adorable Père, pour ceux qui t'ont servi, leur mort a du prix à tes yeux. Et là où on garde le corps en attendant la résurrection, adorable, c'est toi qui prends soin du corps de tes serviteurs et servantes. Nous voulons rendre à la terre ce qui lui appartient, mais nous prions afin de garder, mon Dieu, le corps de ta servante pour la résurrection au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que mon Père au ciel, nous puissions nous revoir pour continuer de célébrer ta seigneurie et ta sainteté. Merci encore pour ce bel exemple que nous nous décidons de suivre. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers enfants, coucou. Votre mère vous a mis au monde. Elle vous a chéri. Elle vous a éduqué. La séparation est difficile. Ça rappelle le souvenir qu'on a vécu avec elle. Elle est auprès du Seigneur, comme elle a souhaité. Elle vous laisse entre les mains de Dieu, qui lui-même a permis que vous puissiez venir au monde. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, notre rôle, c'est de vous encadrer. Et c'est pour cela que je voulais promettre devant tout le monde ici, que je resterai en contact avec vous, pour un encadrement spirituel. Pour qu'au dernier jour, tous nous puissions revoir nos parents qui nous ont dévancés dans le Seigneur. Ça serait merveilleux, ça serait joyeux et ça serait heureux.
maintenant cette enveloppe dans laquelle était cachée maman. L'enveloppe est devenue vide. Et nous allons remettre à la terre ce qui lui appartient. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, l'homme retournera à la terre. Et sur ces paroles, en ma qualité de serviteur de Dieu, je voulais remettre à la terre ce qui appartient à la terre. Je ne sais pas si l'ennemi de la famille voulait dire quelque chose. Comme tu l'as bien indiqué dans ta parole, tu as dit la terre retournera à la terre. Cette terre que tu as pris pour former Maman Coco, la terre réclame ce qui lui appartient aujourd'hui. Et tu as donné ton ordre. C'est pour cela que nous disons à la terre ce qui est à la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans les cieux, quand nous serons, ceux qui sont chargés de mettre le corps avec lui, nous souperons. Et la vraie paix de Dieu sera dans tous les cœurs, dans les cieux, dans les cieux, quand nous serons avec lui, nous souperons. Et la vraie paix de Dieu sera dans tous les cœurs. Et la mort ne sera plus. La vie sera en nous, et nous passons position de sa vie. La mort va s'asseoir sur les marches. La vie sera en nous. Est-ce que tu peux aller sortir? Est-ce que tu peux aller sortir? Tu peux aller sortir? Dans les cieux, quand nous serons avec Jésus, nous souperons. Et la vraie paix de Dieu sera dans tous les cœurs. Dans les cieux, quand nous serons avec Jésus, nous souperons. Et la vraie paix de Dieu sera dans tous les cœurs. La mort ne sera plus. La vie sera en nous. Et nous vivrons toujours. Passons. Et la mort. Le bois doit rester sur le bois, pas le milieu, c'est un creux. Non, il ne faut pas. C'est très coincé. Il n'y a qu'à sortir.
Si vous soulevez, poussez seulement, sinon ne soulevez pas. Si vous soulevez, ça va toucher là-bas. Là-bas, même pas que c'est sec. Elle va bloquer. C'est pas sec même. C'est pas sec. Même. Si même bloqué. Moi, je dis. Ce que le monsieur a dit là, c'est un peu trop. Si c'est pas assis là, c'est ce qu'on est en train de faire.